monde. Aujourd'hui, nous sommes le matin de la rentrée. Je sais pas si vous m'entendrez, c'est pas grave. Et donc il est 6h45 à peu près. Comment je dépression. Voilà, j'ai réveillé Anna, Maya, t'es où? T'es là. Ils sont tous réveillés. Bon, Laura a du mal. Je suis pas sûre qu'elle va venir avec nous. Maya est encore fatiguée. Mais il y a ma maman qui arrive, du coup. J'entends Laura. C'est beau, elle est là. Oui? C'est là. Attends. Elle a pas de voix. Mais je sais pas de moi par contre, mais tout autour de mon nez j'étais toute rouge et regarde, je suis presque. C'est quoi que t'as mis hier soir en dernier? C'est la biafine? Ouais. Ça marche trop bien la biafine. Pourquoi j'ai plus de parce que du coup ils ont commencé les vacances enrhumées, ils les terminent enrhumées. Et c'est moi ou toi? Moi ou toi? Toi, t'as encore des cernes. Bah c'est normal, moi je. J'ai des cernes tout le temps, même si je me maquille, même si je me maquille pas. Voilà, là on est en train de déjeuner. Lucas a déjeuné, il se lave les mains, la figure et les dents et il va s'habiller. Là vous, il faut déjeuner, même si on n'a pas très faim, là il est très tôt le matin, à 7h, on n'a pas très très faim, mais bon. Aussi il y a Anna... Non, je suis devant la télé comme... Non, je suis encore en train de regarder mon réveil. Ouais. Je suis devant la télé comme ça, tranquillou. Je vais me regarder la télé. Voilà, j'ai pas très faim. À cette heure-là, en général, tu dors. Tu es en train d'attendre devant la télé. Oh, vas-y, tu pars. Tu l'as ouvert? Oui, c'est bon. Je vais quand même me moucher, hein, Donc voilà, donc vous l'avez vu, je ne dirais pas que je suis maquillée comparée à tout à l'heure, c'est pas grave, je m'en fous complètement. Voilà, aujourd'hui c'est la rentrée et c'est pas ma rentrée à moi du tout, c'est la rentrée des enfants. Et hein? Encore, c'est pas la mienne. Je pense que je sois maquillée ou pas, je pense qu'on s'en fout quoi, vraiment. Ouais. Allez, à toutes, bon petit déj. Ok, coucou mon chat. Coucou ta, ça va? Comment tu vas te coiffer? Non. Non, je vais faire un... Anna. Moi je vais faire un truc comme ça. Comme ça. Et toi Anna? Non, ouais. Une coiffe? Avec tous les cheveux? Avec Maï, Anna et Lucas. Moi j'ai Maya et Laura. Du coup là il est 7h40, nous partons de la maison pour emmener Lucas en tout premier. Alors nous partons tous parce que c'est la première rentrée en 6e de Lucas et vous imaginez, on est 5, j'ai 4 enfants, 7h40, on est dans la voiture. C'est énorme. On est tous prêts, ils ont lavé les dents, les mains, la figure, en même temps ils étaient chauds patates.
C'est l'entrée, c'est... Ah non, en plus surtout... Bon, j'espère que j'aurai de la place dans le petit parking en haut. Allez, j'espère que c'est pas autant la course pour vous, hein. Mais voilà, nous, en général, c'est la course. Et là, il y a Lucas, il a pris son téléphone, il voulait jouer. Non, mais c'est... Non, on s'en va. C'est... Il est stressé, mais il veut jouer au téléphone. C'est bizarre. Non, il est pas stressé, il a hâte. Il est content, quoi. Ouais. Bon, allez, alors là, donc, on emmène Lucas. Et voilà. Maintenant, c'est la rentrée des filles. Fais coucou, les filles. Bon, alors, Lucas n'est pas encore dans sa classe et tout. Là, il est 8h17. On a attendu 30 minutes, à peu près, hein. Le temps qu'on se gare et tout. Et il n'est pas encore passé. Il est, on sait dans quelle classe il est déjà. Et on sait que c'est pas maintenant. Donc lui, je crois qu'il sera passé, lui. C'est encore 30 minutes. L'appel des enfants, c'est vraiment classe par classe et c'est assez long, je trouve. Et donc voilà. Du coup, il va passer. La matinée avec son professeur principal. Et là, nous, on accompagne Maya en CE2 et Anna en grande section. Voilà. Et Laura fait sa rentrée comme... Voilà, ça y est. Bon, alors, je vais vous parler, tant que je ne conduis pas, Manu. Voilà, la rentrée s'est très très bien passée. Maya est en double niveau. Bon, l'orthophoniste, pour des raisons que je vous expliquerai peut-être un jour... Je sais pas. L'orthophoniste ne voulait pas trop qu'elle soit en double niveau, mais elle est en double niveau. Mais le professeur est génial. Moi, je suis ravie. J'ai déjà parlé avec lui. Je lui ai dit ce qu'il en était, voilà. Mais il a dit qu'on prendrait un rendez-vous, qu'on parlera de Maya. Donc voilà, c'est très bien. Et Anna, ça s'est très bien passé. C'est la première fois. La première année là où elle ne pleure pas pour qu'on reste. Elle a tapé personne. Elle a pas doudou, pas susu. C'est moi qui les ai. Ils sont un sac. C'est moi qui ai doudou. C'est génialissime. C'est la première année. Je suis trop contente. Il y a un monsieur trop chelou qui me regarde. Heureusement que je vlogue pas dehors. Je vous le dis. Ah là là, je suis contente. Anna a des copines qu'elle adore. A ses meilleurs copains qu'elle adore. Il en manque un, mais bon, c'est pas très grave. On sait que l'année prochaine, ils seront au CP. Et du coup, ils vont se retrouver aussi. Mais là, dans la cour, de toute façon, tous y jouent ensemble. Hein. Donc voilà, c'est génial. C'est génial. Moi, je suis bien contente. C'est une bonne journée. Et là, on file boire le café chez une de mes amies. Après, on file en course. Après, on rentre à la maison. Je prépare à manger. Et c'est midi. Donc, je vous reprends à tout à l'heure. Voilà, là, il est... Bon, là, il y a Laura qui joue avec le chat. Nous avons fait des petites courses pour aujourd'hui et demain. Peut-être que avant de partir tout à l'heure, je me remarquerai un petit peu. Bon, là maintenant, non. Donc, nous avons fait les petites courses. Avant, on est passé voir ma copine qui va très très bien, son bébé aussi. C'était bien chouette. On est resté peut-être un petit peu trop de temps. C'est pour ça que j'ai fait que des petites courses, mais il fallait vraiment... fallait vraiment un petit peu de manger. Du dessert, en fait, il fallait. Et un petit truc pour compléter le reste des pâtes. Et voilà, ça va très bien. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Moi, j'ai toujours aimé la rentrée. Je sais pas toi, Laura. Moi, j'ai toujours aimé la rentrée. Du coup... Ça dépend l'année, ça dépend. Ouais. Mais là, vraiment, ils sont tombés sur chacun... Enfin, Lucas, il en a 10 professeurs, du coup, c'est spécial. Et son professeur principal est super. Du coup, non, je sais que ça va bien se passer. Maya et Anna, j'ai hâte en fait. Peut-être que je vous montrerai des plans si elles sont pas trop excitées de raconter tout. Mais d'abord, je vais chercher... Alors là, je vais aller poser Laura, qui va attendre Lucas en fait. Parce que pour la première fois qu'il rentre à pied... c'est mieux qu'elle soit là. Donc là, on va partir d'ici 2 minutes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous prends un petit peu là pour parler, pour
vous raconter ce qu'on va faire. Donc ensuite, moi, je vais chercher Anna, qui sort à 11h45, et on attend jusqu'à midi que Maya sorte. Voilà. Après, on rentre à la maison. Je vais à manger. Bon, ça va, après, les pâtes sont déjà cuites, donc il y a juste à rajouter... On va faire des pâtes carbo, il y a juste à rajouter lardons, la crème fraîche, quoi, en gros. Même si c'est pas comme ça qu'on fait les pâtes carbo à la base, moi, je m'en fous, voilà. Et donc voilà, pour cette matinée qui est passée super vite, en fait. Hein ? C'est passé vite, hein ? Très vite. T'imagines, c'est... Waouh ! Mais c'est pas fini. Ben, oui, donc oui, la journée n'est pas finie. Là, je sais pas combien il y a en tout de minutes. Je vous ai pris un peu par-ci, par-là. Je sais pas combien ça fait, mais ouais, ça fait. C'est passé super vite. Bon, du coup, je suis pas habituée à me réveiller. ça fait 2 mois que je me réveille pas à 6h30, 7h moins le quart du matin. Du coup, je suis déjà un petit peu fatiguée, mais ça va. Alors, Anna, ta maîtresse, elle est gentille? Oui. Ça s'est bien passé ce matin? Oui. Qu'est-ce que t'as fait de beau? En fait, elle a fait une autre... Martine? Non. Hein, Caroline? Oui. Bah qui alors, vas-y, dis-moi. C'est une nouvelle maîtresse qui fait un tarifé. Oui. Et en fait, je la connais pas et voilà. Et qu'est-ce que t'as fait du coup avec tout le monde? Et en fait, Viens. Et il faut faire des décorations. Des décorations sur quoi? Tout s'est bien passé. Sur une feuille. Nickel. Sur une feuille. Sur une feuille? Et tu l'as fait? Oui. T'as aimé? J'ai terminé. D'accord. Bon, on va aller à l'ombre, hein. Il fait chaud, hein. Voilà, ta grande fille qui rentre en dernière année de maternelle. Alors là, il est midi 42 exactement, nous devons partir vers 1h05-10 à peu près pour emmener Lucas. Lucas, tu racontes un petit peu? C'est trop bien. Voilà. Maya? Oh, ça nous rend bien. On n'aura même pas de devoir. Trop bien. On ne dit pas son nom, Damien. C'est secret de France. Et Anna, toi, tu es contente? Oui. De ta maîtresse, oui? Oui. Anna, ça veut pas dire que tu travailleras pas à la maison. Okay. J'ai reçu un petit colis que je vous ouvrirai dans une vidéo prochainement. Faites pas attention, là, c'est le linge, hein, voilà. C'est le bordel. Je vous reprends. Il y a un ricola dans la bouche. Hein. C'est bon. Alors, bah, je vous ai pas pris après... Parce que bah, j'ai eu un gros coup de fatigue et du coup, je suis vite rentrée pour me reposer. Mais Anna, pareil, elle n'a pas pleuré pour aller à l'école. Maya, ça va, voilà. Le truc avec Maya, en fait, tout à l'heure, elle était en sortant au final. Elle a dit que ça allait bien, mais... elle n'est pas dans la même cour de récréation que ses copines de l'année dernière. Et du coup, elle était un peu seule. Donc, elle était un peu triste, voilà. Elle adore son maître, il n'y a pas de souci avec ça. Elle adore sa classe et tout, voilà. Il va falloir qu'elle se fasse de nouvelles amies. Parce qu'il n'y a personne qu'elle connaît de l'année dernière. Même si elle connaît certains enfants. Elle les connaît, mais... l'année dernière et l'année d'avant, elle n'était pas avec elle en classe. Du coup, ouais, elle était... elle le savait que ça risquait d'arriver, donc voilà, elle le savait. Mais vraiment, je lui avais dit, et c'est là mon erreur, que dans la cour, elle les retrouverait. Et au final, il s'est passé que dans la cour, elle ne les a pas vus. Ah, c'est là que je m'en aille, voilà. Donc,
Donc j'ai passé l'après-midi, enfin une heure près, à peu près, à me reposer pour éviter de re-avoir... enfin voilà, pour aller bien. Je me suis reposée un petit peu, on a vidé le téléphone de Laura. Elle a noté tous ses numéros parce qu'elle va changer de téléphone ou aujourd'hui, ou maximum mercredi après-midi, si vraiment il y a trop de monde à SFR, voilà. Et voilà, donc on va y aller. Je vais récupérer les filles, je les pose à la maison pour qu'elles goûtent. Je vais chercher Lucas. Et je leur amène son copain chez lui. Voilà. Et après, on va faire un tour au magasin. Voilà, parce que du coup que Maya était seule dans la cour, ben, je vais y faire pareil que l'année dernière, ce que j'avais déjà prévu. Je vais y prendre un petit cahier, genre un top modèle ou un truc comme ça, pour qu'elle puisse se dessiner, s'amuser, enfin voilà. Sur la cour, la récréation c'est quoi? 15 minutes? 10 minutes? Il y a Laura avec moi, je suis pas seule, hein. Je l'ai pas abandonnée, elle est là. Je pense que même si elle est très enrhumée et bien malade, d'un côté elle a hâte parce que là elle s'ennuie, elle est toute seule. C'est dit. Je m'occupe avec ce que je peux. Voilà, donc elle a piqué le jeu. Sa petite soeur, elle lui manque tellement qu'elle joue avec son jouet. Non, c'est pas ça, c'est juste que ce truc, ça occupe. Ouais. Ça occupe quand t'as rien à faire. C'est un déstressant. Rien à faire, t'as pas rien à faire quand même. Hein. Mais bon. À part attendre. Ben là, on s'en va là. Là, du coup, je vous reprendrai, je pense. Peut-être ce soir, je sais pas si. Voilà. Et vous me direz bien si. Les petits vlogs comme ça vous plaît. Je pourrais en faire d'autres. Mais bon, pas tous les jours. J'ai vraiment pas le temps pour l'instant de faire ça tous les jours du tout. Mais là, je pense que vous voyez que mon ma fatigue est... Ce matin, j'étais au taquet. Et de plus en plus, voilà. On verra ce soir dans quel état je suis. Elle aura. Oh là là. Moi aussi, je veux aller au lit à 8h30 comme eux, je crois. Allez. À tout à l'heure. Ça fait un bout de moine à moi. Elle était bien ta journée, ma chérie? Oui. T'es bien amusée? Tu vas faire un gros dodo? Mmh. Demain, on retourne à l'école? Oui. Je t'aime fort. À la folie de l'amour. Je te filme. Tu me fais une bisou, toi? À demain. Je te coupe? Non. D'accord. Je souffre. Alors, c'était trop bien. Comme ma chérie, vous comprenez? Vu ma tronche de cake, c'est l'heure de faire dodo. Oui. Attends, on te voit pas bien. Ouais. J'ai hâte de voir. C'est vrai? Tu as hâte d'apprendre une nouvelle chose? Je suis avec une sœur du nani à moi, c'est bizarre. C'est bizarre quand même. En plus, elle, la soeur de mon amie, elle était déjà dans cette classe il y a un an. Ah non, si, l'année dernière. Oui, l'année dernière. Tu vas faire un gros dodo? Oui. Je te reprends, ma chérie. Et on se mettra justement... Il est en bas de dos. Ah bah tu vas devoir descendre pour aller chercher. Moi je vais fermer le volet. D'accord? Je suis fatiguée. C'est normal, il est tard là. Allez, vas-y. Voilà les deux. Elle est habillée. Même à 8 ans, on a un dodo.
T'es crevée? Oui. C'est à demain? Pour la suite? Pourquoi? Pour être fatiguée. Non mais plus tu te coucheras tôt, là il est tard. J'aurais pu dormir avant manger alors. Il est à 9h, 9h en gros. C'est mon petit cœur. Et puis il dort tous les soirs avec moi. Ta main, tu montres ta petite merveille. De quoi? Ah, elle. Non, ton téléphone. Ah oui. Vite fait. Ah non, c'est ma deuxième petite merveille. Alors, attends, juste. Voilà. Vite fait. Ça, c'est, ça faisait 2 ans qu'elle avait un téléphone tout pourri et du coup je lui avais promis que à la date d'anniversaire elle aurait un nouveau téléphone. Voilà, c'est fait. Elle est super contente. J'ai enfin un téléphone chouette, un téléphone nul qui s'est cramé. J'étais en contente. Mais maintenant je suis fatiguée vu que je suis un petit peu enrhumée. Du coup je peux pas sauter dans tous les sens comme je voudrais. Oh là là, trop content d'avoir un nouveau téléphone. Tu dis bonne nuit. Bonne nuit. C'est mon petit cœur. Tu dis bonne nuit. Bonne nuit. Donc je vous reprends dans ma chambre. Là il est 9h encore passé. Oui. C'était une journée très très riche en émotions pour tout le monde, même pour moi, parce que même si c'est pas ma rentrée, ben c'est mes enfants et c'est vrai que chaque rentrée comme ça, ça me rappelle mes rentrées et j'ai toujours un petit peu la boule au ventre comme ça, je sais pas, de le fait de pas savoir avec qui t'es, les copains, les professeurs et tout. Donc ouais, c'était... Mais bon là maintenant ça y est, c'est passé. Maintenant, l'année scolaire va commencer. Maintenant, ils sont tous couchés. Je suis très fatiguée, mais ma journée n'est pas finie. Non, non. J'ai encore un peu de rangement à faire. Et ça va. Après, je trouve qu'ils ont pas mal écouté. Ça va. Vous me direz si ce genre de vidéo vous plaît. Alors, bien sûr, je vous ai pas montré en détail toute ma journée parce que ça serait vraiment trop long et je pense que ça vous intéresserait même pas, mais dites-moi si ça vous plairait de voir des petits moments comme ça de notre vie. Bon, je vous éviterai peut-être les allers-retours en voiture quand même parce que ça c'est plus fatigant pour moi, mais bon, là il y avait Laura pour me filmer, mais du coup si elle est pas là je pourrais pas me filmer quoi. Ou peut-être avec le téléphone, je sais pas. Mais vous me direz si ça vous plairait d'en avoir d'autres, des petits vlogs comme ça. Donc là, c'était vlog de rentrée numéro 1. Je sais pas si demain je vais filmer aussi, on verra bien. Là, je vais quand même charger la batterie de la caméra. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir regardé. Désolée pour cette tête, mais bon voilà, je suis comme je suis. C'est comme ça, c'est moi.